Bonjour et bienvenue à notre web émission du mois de mars. On va commencer avec vos questions. Déjà la première, qu'est-ce qu'on pense de l'entrée en bourse de Lightspeed, Aaron? La question nous vient de Pierre par courriel. Oui, alors Lightspeed, on a reçu un courriel de notre banquier qui nous demandait si on voulait participer au IPO. Puis, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que le délai est pas très long, hein. On a une semaine, 2 semaines à dire si on est intéressé. Puis là, les banquiers, bon, ils vont faire ce qu'on appelle un roadshow pour essayer de vendre Le titre, là, dans le fond, l'entreprise. c'est ça. Puis, dépendamment de la demande dans le roadshow, ben c'est là qu'ils vont déterminer le prix final d'entrée à la bourse. Alors, on n'a pas vraiment une idée du prix quand qui nous arrive avec ça. Mais Alors, avant tout, Aaron, Lightspeed, juste réexpliquer un peu ouais, c'est ça. J'en arrivais qu'est-ce là, que c'est. mais en gros, Lightspeed. Bon, si on parle de Lightspeed, on peut aussi parler de l'industrie Shopify, Square, des concurrents un peu là. Mais ça permet à un détaillant ou un restaurant de pouvoir gérer son cycle de vente finalement. Fait que c'est vraiment en anglais, on appelle ça un point of sale. Ça permet d'enregistrer les transactions de vente, ça permet de pouvoir accepter des paiements par carte de crédit, ça permet de gérer l'inventaire, on peut embarquer un programme de loyauté là-dessus. Ça s'intègre vraiment à notre système de comptabilité. Fait que c'est un système pour gérer un peu les ventes d'entreprise, finalement. Okay. C'est quoi les principales différences avec Shopify? On voit que Ouais. lui est du côté physique aussi, là, il est vraiment des deux autant en Shopify, ligne. en fait, c'est plus en ligne. Alors, un petit entrepreneur qui désire partir son entreprise en ligne va peut-être plus utiliser Shopify. Un petit détaillant qui veut partir un petit magasin va peut-être plus utiliser Square. Puis Lightspeed, il semble s'adresser plus à des détaillants qui ont les deux, là, un magasin physique puis en ligne. Puis Lightspeed, l'autre différence, c'est qu'il semble plus s'adresser à une clientèle un peu plus riche, donc des grandes entreprises. Mais son Mais volume, c'est ça, son volume de vente, Lightspeed est en place depuis combien de temps par c'est rapport ça qui est à Shopify? curieux. Lightspeed a été fondé dans les mêmes années que Shopify, puis même avant Square, mais le volume de vente est comme 10 fois moins élevé que les concurrents. Fait qu'on n'a pas creusé assez pour bien comprendre ça, mais c'est. Puis on le voit aussi, la croissance est moins rapide. Alors, c'est peut-être du fait qu'ils ciblent une clientèle un peu plus grosse. Des grosses entreprises, c'est peut-être plus concurrentiel, c'est peut-être plus difficile à avoir. Ça pourrait être une possibilité. Mais en gros, puis ce que je veux dire aussi, c'est 3 entreprises déficitaires actuellement. OK. Donc, c'est pas quelque chose pour le moment là, C'est qui difficile a à mis. évaluer. C'est pas nécessairement une mauvaise chose au niveau de la stratégie d'affaires de l'entreprise. Si c'est pour aller chercher des clients d'une manière rentable, si c'est pour sortir d'autres fonctionnalités de système, ça peut être une bonne chose que ça soit déficitaire. Puis on le voit, là, s'il affiche des très beaux taux de croissance. C'est sûr, s'il affichait, tu sais, 8-10% puis c'était déficitaire, c'est pas bon signe. Non, non, non. Il faut garder un œil sur ce Ouais. modèle d'affaires-là. Puis, Alors, quel un joueur entre. investisseur, c'est ça, on va regarder plus, bon, ça devient un ratio cours-vente vu que c'est pas rentable. Puis l'investisseur va devoir dire, bon, dans 10 ans, c'est quoi la marge de profit de ces entreprises-là? Alors, c'est là que ça devient difficile. D'accord. Puis, avec ces ratios-là, ben ça devient aussi difficile d'investir aujourd'hui. C'est un peu, quand tu es rendu à 20 fois les ventes, là, Pour nous, c'est c'est. trop tôt pour avoir une idée assez concrète sur. On pourrait dire ça, On mais va dire comme on ça. pourrait les suivre. C'est 3 entreprises intéressantes OK. en croissance. On pourrait s'intéresser davantage. Fait que la prochaine nous vient de Marie. Elle nous demande, je n'ai pas encore contribué à mon RE familial. Est-ce que je devrais envisager de changer pour un format individuel? Donc, Marie a un régime, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'a pas encore contribué parce que c'est son premier enfant. C'est quoi la différence, Karine, entre un individuel puis un familial? Il y a trois types de régimes d'épargne-études. Le collectif, je pense que le collectif, on en a parlé souvent, frais plus élevés généralement, plus restrictifs. Alors, on va regarder l'individuel familial, c'est un régime autogéré comme ton REER, Aaron, ou ton CELI, mais pour accumuler de l'argent pour les études et on reçoit une subvention. L'individuel, on n'a pas besoin de lien de parenté. Donc, tu pourrais ouvrir un régime pour ton neveu. Okay? Lorsqu'on est admissible au familial,
comme mari pour ses enfants, ou ce qu'on voit chez Médicis souvent, c'est les grands-parents pour leurs petits-enfants. Et là, elle se demande, est-ce qu'il y a un avantage à ouvrir un familial pour mettre tous mes enfants dans le même régime, ou je devrais plutôt ouvrir des individuels? Ça, c'est la première question qu'elle se pose. Les deux régimes entre l'individuel et le familial, c'est les mêmes subventions, les mêmes exigences lors des retraites. Donc, ça ne se situe pas, est-ce qu'il y en a un qui est plus économique que l'autre, ou les deux vont arriver au même point. Ce qui est important, nous, on trouve que la simplicité du régime familial pendant qu'on accumule. Donc, quand on contribue à notre régime d'épargne étude, si on a plusieurs enfants, ben, il faut ouvrir un compte à chaque fois. Nous, il faut gérer trois comptes. Donc, la gestion de portefeuille est plus facile, il y a moins de paperasserie. Les gens ont beaucoup de comptes aujourd'hui. Hein. Ils ont des CELI REER, des fois en canadien, en US. Donc, d'avoir un régime qui combine pour tous les enfants, c'est plus facile à suivre. Ça fait moins de papier. Alors, lorsqu'on arrive, par exemple, au décaissement, c'est là que Marie peut se poser la question, peut-être qu'elle voit plus loin. Peut-être aussi, elle a lu, il y a eu un blog sur les affaires qui parlait d'un petit bug dans le régime familial au moment du décaissement. C'est là qu'on se dit, est-ce que j'aurais été mieux d'ouvrir un individuel ou le familial est toujours intéressant? C'est quoi ce bug-là? Bon, le bug, c'est au niveau des subventions provinciales. Okay? Il est connu. Ils ont un problème lorsque, je vais donner un exemple facile. Aaron, pour un moment, on va être frère et sœur. Toi, tu es beaucoup plus jeune que moi. Moi, je commence mes études postsecondaires. Donc, nos parents, ils veulent retirer du capital pour moi, pour financer mes études. Mais toi, ils continuent à contribuer. Donc, tu as le droit aux subventions. Pour le fédéral, il n'y a pas de problème. Mais si je retire pour moi et on contribue pour Aaron, il pourrait avoir un petit problème que tu ne reçoives pas ta subvention provinciale. C'est ça le petit bug. Mais il y a des moyens faciles de ne pas rencontrer le problème, même en restant dans le familial. Par exemple, lorsque je décaisse le côté qui est subvention, qui est revenu, puis c'est beaucoup de ça qu'on retrouve dans un régime d'épargne étude parce qu'on reçoit quand même 30 % de ce qu'on contribue, bien là, il n'y aura pas de problème. Aaron va continuer de recevoir ses subventions provinciales. Souvent, le problème ne se pose même pas parce que les deux enfants sont aux études en même temps. C'est ça qui est le fun pour le familial, c'est que si toi, tu travailles, moi, je ne travaille pas, peut-être qu'on a plus de flexibilité dans le familial lors du décaissement, c'est apprécié. Les avantages, finalement, du familial, malgré ce petit problème-là, demeurent, puis on peut le contourner, soit en versant des subventions, des revenus, soit en arrêtant un an de contribuer, puis on reprend après parce qu'on a le temps de se récupérer. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis ça, c'est à Médicis, dans le fond, de bien comprendre comment planifier les décaissements pour payer le moins d'impôts possible, optimiser fiscalement. C'est là, dans les décaissements, qui est important, puis éviter de perdre des subventions. Donc, le familial, pour nous, il vaut la peine en termes de simplicité, puis c'est notre job de s'assurer que il n'y a pas de problématique avec les subventions. On continue avec le familial. Oui, bien, c'est ce qu'on aime beaucoup chez Médicis, oui. Parfait. Alors, allons-y, Aaron, avec la troisième question qui nous vient de Martin par Facebook, qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais c'est une bonne question. Dans le fond, c'est quoi une débenture convertible? Est-ce que tu peux nous expliquer simplement en quoi ça consiste? OK, on va essayer de prendre un exemple. Alors, mettons que j'investis dans la debenture convertible de Boralex. Alors, c'est comme si j'achetais une obligation. Alors, je vais recevoir des intérêts annuels. Mais la différence, c'est que je vais avoir l'opportunité de convertir ma debenture en action de Boralex. Puis le prix est déterminé à l'avance, là, et c'est de 20 $ par action. Lorsque tu payes ta debenture de Boralex à 1 000 $, le prix de 20 $ par action est déterminé à ce moment-là. C'est ça. Fait que mon 1 000 $, je vais avoir l'option de le convertir en 50 actions de Boralex. Puis, je vais seulement le faire si, évidemment, l'action de Boralex, d'ici l'échéance, est à plus que 20 $ par action. Parce que c'est un choix que tu as pendant toute la durée que tu détiens. Ouais. C'est pas obligatoire, c'est jamais forcé, c'est une option. Exactement. Fait qu'on va voir deux scénarios. Le premier scénario, si Boralex, l'action fait très, très bien, puis elle monte à 40 $, ben je vais me retrouver, ma debenture va valoir 2 000 $. Puis le calcul, ben c'est simple, c'est 40 $ fois les 50 actions de conversion.
Mais d'un autre côté, si Boralex ne performe pas, puis reste, mettons, à 10 $ pendant toute l'échéance de la debenture, ben, je vais empocher mon 4,5 % d'intérêt, puis je vais être remboursé mon capital de 1 000 $ à l'échéance. Fait que j'aurai quand même mon 1 000 $. Mais quand je regarde ça, Aaron, j'aurais envie de composer mon portefeuille de revenus fixes de débentures toujours convertibles parce que finalement, je vais empocher mon coupon. Je vais avoir mon 1 000 $, puis en plus, j'ai une option de faire beaucoup plus de rendement. Donc, Oui. c'est quoi le il doit y avoir un risque à ça? Ben, chez Midi, on aimerait ça que notre portefeuille de revenus fixes soit que des debentures convertibles, mais le problème, c'est que généralement, les émetteurs sont pas de très bonne qualité. Alors, il y a à peu près une centaine de debentures sur le marché canadien, puis il y en a peut-être seulement une poignée de main là, qu'on suit parce que les autres, on les discarte. La qualité de crédit n'est pas assez bonne. C'est pas des entreprises qui sont assez stables. Donc, Alors, il faut faire attention à ouais, ça. ça c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que généralement le prix de conversion il est plus élevé. Alors, mettons que l'action de Boralex est à 20 $ quand la debenture est émise, ben le prix de Il ne sera conversion pas il à 20 sera pas à dollars, mais 20 $, non. il va être plus élevé. Fait qu'il faut vraiment que l'action performe bien pour vraiment qu'on fasse du rendement là, Si on le additionnel. calcule au début, on sait une idée de combien l'action faut qu'elle performe justement pour avoir un potentiel de faire du rendement. C'est ça. Bon, c'est quand même bien expliqué. Je crois que tu as réussi l'exploit. Alors, bon, ben, ça fait le tour, Karine. Donc, merci beaucoup et on se revoit le mois prochain pour la prochaine web émission. Merci.